Eh bien, vous cherchez un canapé, un fauteuil pour votre maison et vous aimeriez qu'il soit fabriqué en France et encore plus fabriqué en Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien, c'est possible. Oui, c'est Lionel Coquet de Cimeubles à Pierre-de-Bresse. Je suis actuellement dans le showroom chez mon fabricant. Et regardez, des canapés d'angle de toutes les couleurs. Des canapés avec façon home cinéma. Très bien fabriqués. Une belle qualité française. Si vous cherchez ces qualités-là, venez chez Cimeubles à Pierre-de-Bresse, on vous propose tout ce choix et je peux même vous organiser une visite de l'usine si vous le souhaitez. Voilà. Donc regardez dans plein de styles différents, avec des finitions métal, côté industriel, des grands canapés avec têtière ou avec des coussins jetés. On choisit tous les coloris que vous voulez. Regardez, j'ai même mis sur ma poche. Ting ting. On peut même réaliser du cuir sur tous ces modèles. Voilà, donc une vraie fabrication de qualité. Des fauteuils relax. Regardez, super. Dans tous les coloris, tout type de style, plus ou moins tranquille si on veut, avec des coloris classiques, et puis des coloris qui flashent un peu, qui soient très animés si on veut faire quelque chose de plus dynamique, de plus coloré. Regardez des fauteuils relax, des modules aussi, plein de modules, c'est une grande tendance. Vous voulez mettre des modules côte à côte, eh bien on a ça, c'est fabriqué ici en Saône-et-Loire. Les autres fauteuils relax, ah regardez un fauteuil présenté ici en cuir, on a le même dans le showroom Cimeubles à Pierre-de-Bresse, très belle finition cordelette, magnifique. Un autre fauteuil bicolore. Voilà, alors ça se passe de commentaires. Regardez, je vous laisse découvrir. Canapé 3 places, canapé 2 places, des petits fauteuils cabriolets. Regardez, ils sont là. Et ouais, je vais finir la vidéo ici, je crois, bien installé confortablement. Il manquerait presque un petit verre pour prendre l'apéro. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour le travail. Alors rendez-vous chez Cimeubles à Pierre-de-Bresse. À très bientôt!